Il est 20h. Un seul titre dans ce journal. L'économie congolaise fait preuve de résilience et de performance évidente. C'est le Fonds monétaire international qui fait le constat. Son conseil d'administration conclut la 4e revue de l'accord de facilité élargie de crédit en République démocratique du Congo. En nouvelle, 1 853 candidats ont affronté les épreuves de l'examen d'État édition 2023. Ceux qui ont de la chance obtiendront leur diplôme d'État. Les autres devront prendre leur mal en patience pour se réessayer la prochaine année. Ce jeudi, c'était la fin des 4 jours de grande concentration des élèves finalistes du secondaire. Les images dans nos prochaines éditions. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les musulmans du monde entier ont célébré hier la fête de la Tabaski à Kinshasa, à la mosquée Rasoul, avec toutes les branches de la communauté islamique de la RDC. Ils ont reçu un hôte de marque. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, a invité les musulmans de son pays à l'unité et s'est dit prêt à accompagner dans la recherche de cette unité, car ils croient tous à Allah, le miséricordieux. Regardez. De 203,3 millions de dollars américains pour renforcer les réserves internationales de la République. C'est une promesse faite en 2020 lors de consultations nationales aux dirigeants de la communauté islamique qui aujourd'hui s'est concrétisé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu ce mercredi en début de soirée à la mosquée Rasoul dans la commune de la Gombe. Motif, communier avec la communauté musulmane réunie ici à l'occasion de la fête de Tabaski, dit fête de moutons. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par les imams représentant toute la communauté islamique en République démocratique du Congo. Après les mots de bienvenue prononcés par l'imam Abdallah Mangala, le chef de l'État a conscientisé la communauté sur l'unité. L'islam n'a jamais été divisé. Alors pourquoi est-ce que les croyants se divisent? Au nom de quel Dieu, quel autre Dieu vous divisez? Pourquoi est-ce que vous êtes divisé? Parce qu'il n'y a qu'Allah, le miséricordieux, le créateur, qui est là. En qui vous croyez, vous n'avez qu'un seul prophète. Alors, pourquoi vous divisez? C'est selon quelle théorie, quel dogme qui vous divise? Et ici, j'irai même plus précisément, je dis, vous êtes des Congolais. En tout cas, vous vivez au Congo, pays unifié. Et moi, je tiens à cette unité. Donc, je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences et de trouver une solution. Et je vous dis que ma porte reste ouverte pour vous. Plusieurs interventions ont suivi, entre autres celle de Mme Cheikh Youssouf Dibondi, qui, au nom de toute la communauté, a demandé au Père de la Nation une journée fériée pour les musulmans de la RDC. La libération de musulmans arrêtés lors d'une fête de Ramadan. La communauté islamique de la RDC sollicite également du garant de la Nation des infrastructures pour leur permettre de se réunir en toute dignité. Ému par cette visite surprise du chef de l'État Félix Tshisekedi à la mosquée Rasoul, les imams ont délié leur langue pour lui dire leur reconnaissance. C'est une visite qui intervient juste le jour de la grande fête des musulmans qu'on appelle Eid al-Kabir, Eid al-Adha, c'est-à-dire c'est la fête de sacrifice. Le président nous a donné l'occasion de nous exprimer et c'était vraiment un moment agréable. Pour nous, c'est une joie incommensurable d'avoir le chef de l'État venir vers les musulmans et fêter avec nous. Vraiment, nous pouvons dire que gloire à Dieu et que puisse Allah le bénir et puisse Allah le soutenir.
opus à la Lorient. Donc, il est une autorité établie par Dieu. Et nous, les musulmans, nous allons soutenir le chef de l'État pour un second mandat qui puisse être élu à la tête de notre pays. Nous sommes honorés par le chef de l'État. Il nous a donné l'occasion de nous exprimer, de parler de nos problèmes, d'échanger en tant que père de la nation. On a échangé avec lui, c'était bon. En tout cas, nous souhaitons que ça puisse se répéter comme ça chaque année. La communauté islamique a remercié le président de la République pour avoir agi en bon père de la nation pour ces grands jours de fêtes de famille, fêtes de sacrifices célébrées chaque année dans le monde. Un mois du démarrage des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde veut en avoir le cœur net. C'est dans cette optique qu'il a effectué une visite d'inspection dans différents sites et infrastructures d'accueil de la compétition. Patrice Ondouangou et Marcel Mobenga. Le stade des martyrs, première étape de la ronde du Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kienge dans les différents sites sélectionnés pour les 9e Jeux de la Francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Objectif, évaluer les travaux en cours et s'assurer que rien ne manque aux entrepreneurs pour la livraison de ces infrastructures à temps imparti. Même exercice au stade Tata Raphaël. Sur place, le chef du gouvernement a visité, entre autres, les terrains de foot et la salle de basketball. Aujourd'hui, jour J, moins 29, nous avons tenu à passer sur tous les sites qui vont concerner directement les Jeux, notamment sur le site du stade des Martyrs et ici au stade Tata Raphaël, juste pour nous rassurer que tous ces derniers travaux de finition vont connaître leur fin en tenant compte des délais qui nous sont impartis. Parce que nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13. Et puis, par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son excellence, monsieur le président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec les ministres sectoriels, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet. Et donc, à ce stade, c'est rester le plus concentré possible, c'est contraindre tous les délais pour que nous soyons au rendez-vous. Et donc, c'était un peu ça le but de la visite, et de nous rassurer surtout qu'il n'y ait plus aucun obstacle vis-à-vis des entrepreneurs avec lesquels nous sommes, sur le travail qu'ils doivent accomplir. Et donc, c'est dans des visites maintenant que nous allons effectuer de manière le plus régulière possible, jusqu'à ce que nous arrivions à l'organisation des Jeux. Accompagné des ministres des Infrastructures Alexis Guissaro, des Sports François Kaboulo Moana Kaboulo et du président des 9e Jeux de la Francophonie, cette descente sur terrain du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge confirme la détermination de la République démocratique du Congo à abriter ces 9e Jeux qui mettent en commun les athlètes qui ont un partage de la langue française. Quittons Kinshasa pour le Nord Kivu, précisément à Goma, où un sujet français du nom de Stéphane Gagné-Séni vient d'écoper de 5 ans de servitude pénale et une amende de 480 000 dollars américains pour commerce illicite de substances minérales congolaises. La sentence est tombée à l'issue d'une procédure judiciaire de flagrance. L'accusé a été arrêté dimanche dernier à l'aéroport international de Goma avec 2 lingots d'or. C'est un reportage de la RTNC Goma. Le tribunal, après les délibérés, prononce son jugement sur dispositif de la manière ci-après. 5 ans de servitude pénale et une amende de 480 000 dollars, c'est la peine qui a été prononcée par le juge du tribunal de commerce de Goma ce mardi 27 juin 2023 contre M. Gagné-Séni Stéphane, de nationalité française, à l'issue d'une procédure judiciaire de flagrance. Après un long moment de plaidoirie et la délibération des membres qui composent la chambre, le président du tribunal de commerce, Sumbala Kipaka Daniel, a lu la sentence. 303 et 305
vu la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ses articles 5 et 34, le ministère public entendu en ses réquisitions dit établi en fait et en droit les infractions d'achat illicite des substances minérales, de détention illicite des substances minérales, de fraude douanière et de blanchiment des capitaux. Dit ces infractions en concours idéal et prononce la peine la plus forte, soit 5 ans de servitude pénale principale et une amende de 480 000 dollars payable dans les délais légaux ou subir 15 jours de servitude pénale principale. Ordonne la confiscation des produits objets des infractions, soit des lingots d'or. Les condamne aux frais d'instance payables dans les délais légaux, à défaut subir 10 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de commerce de Goma à son audience publique de ce jour, 27 juin 2023, à laquelle siégeait Soumoula Kipaka Daniel, président, Nama Dede et Kambale Moholu, juge consulaire, en présence de Moussens Kayembe, officier du ministère public, et l'assistance de Barangirana Akili, greffier du siège. Le condamné a tout simplement exprimé sa déception et promet d'aller en appel. Le juge n'a pas regardé sur la qualité du contrat, il ne s'est pas prononcé du tout sur ça. Il y avait un autre état de fait qui est effectivement, je l'ai reconnu, je ne le connaissais pas, j'en prends acte. Et après, vous irez en appel ? Oui, tout à fait. Rappelons que Janessine Stéphane, de nationalité française, a été appréhendée le dimanche 25 juin à l'aéroport de Goma avec deux faux lingots d'or. Il a témoigné d'avoir été frappé par un groupe avec qui il avait une convention d'achat de 15 kilos d'or, dont le premier paiement a été de 80 000 dollars américains. Cette condamnation est un signal fort à toute personne qui se livre au commerce illicite des substances minérales, a dit le coordonnateur national du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification, CEC en sigle, Freddy Mwamba. La migration du budget du ministère de la Défense vers un budget programme, les officiers supérieurs des forces armées de la RDC et les experts en question des finances sont à l'école de la loi sur la loi de programmation militaire, formation organisée par la direction du budget et finances du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Nicole Cessé-Plocard. Ce séminaire a le mérite de faire comprendre aux participants le fait que la migration du ministère de la Défense nationale vers le budget programme inaugure la déconcentration de l'ordonnancement, car avec cette loi, tout devrait désormais se dérouler au niveau du ministère de la Défense nationale, ce qui permettra de fixer des objectifs, mais aussi de réaliser des bons résultats. Les ordonnateurs militaires doivent s'approprier de cette matière de gestion axée sur le résultat, a fait savoir le général de brigade Dieudonné Mouzala, directeur du budget et finances au ministère de la Défense nationale. La loi de formation militaire a été promulguée depuis l'année passée. Et cette loi, comme le mot l'indique, c'est intrinsèquement, ce sont des programmes qui sont dans la loi de formation militaire. Rester dans le budget des moyens avec la loi de formation militaire, vous avez constaté qu'il y a hiatus, un dysfonctionnement. C'est pourquoi l'État a demandé que nous puissions migrer vers le budget programme, d'autant plus que nous sommes un secteur de programmation. Le maître mot de cette migration, on voit qu'il y a l'orthodoxie financière. Parce que dans le mode programme, le premier franc mis à la disposition de l'ordinateur doit être justifié. Moi, je suis de soutenir que nous puissions tous comprendre, nous approprier de cette matière et accepter que nous puissions migrer vers le budget programme. La migration du budget du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants vers le budget programme est une nécessité surtout pour la montée en puissance des FRDC. Lors de son séjour au Kasaï oriental, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI s'est rendu tour à tour dans plusieurs chantiers de construction des écoles dans le programme de développement de 145 territoires lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alain Bikaï. Plusieurs projets, notamment la construction d'écoles, d'hôpitaux, des routes
et d'électrification sont financés par les fonds de promotion de l'industrie dans l'espace Grand Kasaï. Malgré certains obstacles, les travaux sont terminés pour certaines écoles et hôpitaux financés par cet établissement public, tels que l'Institut du 4 janvier et quatre autres écoles ultramodernes. Les nouveaux pupitres ont été commandés avant la prochaine rentrée scolaire en septembre. Toutes les classes seront équipées de nouveaux bancs. À l'Institut Kalenda Mudichi, les travaux continuent. L'école pourra être occupée dès le mois de décembre. L'agence d'exécution locale accentue la pression sur l'entreprise qui réalise les travaux. On est déjà au-delà des 70% de réalisation physique. L'hôpital de la Mouya est construit à 95% et d'imposants bâtiments ultramodernes y sont déjà érigés. Il ne reste que les raccordements à l'eau, à l'électricité et les équipements médicaux. Un espace a été acquis dans un autre quartier de la ville pour la construction de sa morgue. L'hôpital de Kansele, quant à lui, est en pleine érection. Plusieurs grands bâtiments ont poussé du sol. Les travaux progressent. Le DG du pays, Bertin Moudimou Tshisekedi, a exhorté l'entreprise qui réalise les travaux à appuyer sur l'accélérateur. Il a réitéré son engagement d'intervenir à chaque étape qui a un blocage. Toutefois, les sociétés de construction qui réalisent les travaux continuent de déplorer l'enclavement du Kasaï oriental, les coûts excessifs des matériaux et la lenteur du gouvernement dans l'accomplissement de certaines tâches et le respect des engagements. Les DG du FPI reconnaissent l'existence de quelques difficultés, mais qui ne doivent pas donner des prétextes aux entreprises pour se tourner les pouces. L'archevêque de Kisantu vient de réceptionner un véhicule 4x4 dont du chef de l'État, et bien cet engin roulant lui a été remis par le conseiller principal du président de la République. Regardez. De Kisantu avait vibré le 6 août 2022 lors d'une cérémonie eucharistique de prise des possessions canoniques du nouvel évêque Mgr Jean-Crispin Kimbeni. Ce grand événement à Kisantu avait vécu en présence des évêques, des prêtres, de nombreux religieux et des milliers de fidèles venus de partout. Fervent chrétien, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était représenté ce jour-là par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui avait promis au nouvel évêque un cadeau du chef de l'État. Chose promise, chose due, c'est ce mercredi 28 juin 2023, lors d'une cérémonie sobre au jardin du Palais de la Nation, que le conseil principal du chef de l'État, au collège, éducation, recherche scientifique, culture et arts et questions religieuses, l'abbé Théodore Tshilumba Wakabeya, a remis solennellement le cadeau du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'évêque de Kisantu. Il s'agit d'un véhicule Land Cruiser Pimpa neuf de couleur blanche. C'est un instrument de travail, un moyen d'être de locomotion, de transport. Et je suis très reconnaissant envers le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir tenu promesse. Nommé en juin 2022 par le pape François, l'évêque de Kisantu a exercé plusieurs ministères, entre autres études en vue de la licence en philosophie et habilitation à l'enseignement près l'Université catholique du Congo, formateur et enseignant au séminaire propédeutique Cardinal Malula. Il est devenu le cinquième évêque du diocèse de Kisantu après Alphonse Verwimp, Pierre Kimbondo, Antoine Mayala et Fidèle Ntielele Ndzimputu. Une autre remise, c'est celle du matériel informatique aux structures partenaires du programme des Nations Unies pour le développement. Eh bien, la RTNC est bénéficiaire. Madame le directeur général a reçu du représentant pays du PNUD un lot d'ordinateurs. La cérémonie a eu lieu ce jeudi au siège du PNUD. Suzingo, il nous en parle. Ce sont des lots composés d'ordinateurs et autres matériels informatiques. Les bénéficiaires sont tous des structures partenaires du programme des Nations Unies pour le développement. Au nombre de ses bénéficiaires, la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Madame le directeur général de la chaîne nationale Sylvie Elengenyembo a participé à cette cérémonie de remise accompagnée du directeur général adjoint Adolphe Voto. Ce geste, a dit le représentant pays du PNUD, Damien Mama, intervient dans le cadre de l'un des objectifs du mandat du PNUD, celui de renforcer les capacités des ressources de ces structures nationales dans le but d'élever le niveau de la bonne gouvernance. À la RTNC, j'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice générale ainsi que le directeur général adjoint il y a quelques semaines. Et nous avons pu toucher du doigt non seulement les ambitions de la direction de la RTNC, mais aussi les défis auxquels
cette structure nationale est confrontée, surtout en matière de digitalisation des services et l'assurance de la transparence et de l'intégrité de tout ce qui est lié aux ressources financières que la structure est en train de collecter. D'autres structures partenaires du PNUD, telles que le réseau universitaire du genre, le CAFCO, le réseau des communicateurs pour le développement, ont reçu du matériel informatique et se disent touchés par ce geste. Le directeur général adjoint de la RTNC promet d'en faire bon usage. Nous remercions le PNUD qui nous a gratifié du matériel informatique, qui nous a aidé à relancer nos services informatiques. J'ai dit nous, la RTNC et tout le réseau de ONG qui sont là avec nous. C'est du matériel dont nous avons vraiment besoin pour notre administration. Cette cérémonie de remise de matériel a été marquée par la signature des actes de transfert de propriété de biens entre le PNUD et les bénéficiaires. Ce communiqué officiel, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale porte à la connaissance du public en général et du monde du travail en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 023/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du vendredi 30 juin 2023 commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo est déclaré sommé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Ce communiqué signé Claudine Ndoussi-Nkembe. Et le Fonds monétaire international vient de conclure au cours de son conseil d'administration la quatrième revue de l'accord de facilité élargie de crédit avec la République démocratique du Congo. De ce fait, le FMI autorise un décaissement immédiat de plus de 200 millions de dollars en faveur de réserves internationales pour la RDC. Les détails dans ce reportage de Jenny Chabani. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'autoriser un décaissement immédiat de 203,3 millions de dollars américains pour renforcer les réserves internationales de la République démocratique du Congo gardées par la Banque centrale du Congo en sa qualité de caissier de l'État piloté par Madame le gouverneur Malango Kabedimbui. C'est une décision prise à la clôture de la quatrième revue de l'accord FMI-RDC au titre de la facilité élargie du crédit avec la RDC jugée concluante. Les pressions macroéconomiques persistantes et les risques imminents appellent une politique budgétaire prudente pour préserver la viabilité budgétaire et la stabilité macroéconomique soutenue par une politique monétaire plus stricte. Cela va contribuer à réduire les pressions inflationnistes. Et le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le directeur général de tous les personnels de la DGDA présente le vœu de meilleur au président de la République et à toutes les institutions du pays, aux cours et tribunaux. Ces structures du ministère des Finances s'engagent à ne ménager aucun effort pour accomplir avec bravoure les missions régaliennes en vue de donner au gouvernement le moyen de sa politique. Bwana Mambolia, Jean-Louis, directeur de cabinet et directeur de général adjoint des questions techniques. Et en nouvelle, le groupe d'action financière internationale a tenu sa plénière du 19 au 23 juin dernier à Paris en France. Les pays membres du GAFI présents dans la capitale française ont procédé à l'évaluation de leur premier rapport d'étape. La République démocratique du Congo était présente à cette plénière par l'entremise de la cellule nationale de renseignement financier. Guy Matundu. La délégation congolaise, conduite par le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, la CNAREF, Adler Kishula, s'est investie dans trois groupes de travail, cellule des évaluations mutuelles et conformité, avec des études de dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le risque, tendance, méthode et typologie des blanchiments de capitaux, ainsi que le groupe d'examen de la coopération internationale. C'est dans ce dernier groupe que le GAFI, le groupe d'action financière internationale, a noté des avancées significatives du gouvernement congolais dans l'amélioration de son dispositif anti-blanchiment. Avec ses efforts engrangés, Kinshasa est en passe de sortir de la liste grise avant l'échéancier de 2025. À l'instar de la RDC, plus de 200 pays et juridictions se sont engagés à mettre en œuvre les normes du GAFI.
Le plaidoyer de la CNRF a séduit cet organisme international qui encourage la RDC à poursuivre ses efforts. Adler Kishula et le secrétariat exécutif de la CNRF défendront de nouveau la cause du Congo à la mi-septembre à Amman en Jordanie lors de la réunion de face-à-face avec le groupe conjoint du GAFI, cet organisme en charge d'étudier la façon dont le terrorisme est financé et l'argent blanchi, d'élaborer des normes et émettre des recommandations afin que les pays membres puissent prendre des mesures appropriées pour remédier aux défaillances relevées. Et le professeur Grégoire Bakandéja et Ngoï Kassongi et leur parti politique adhèrent au regroupement politique AFDCA de l'honorable Modeste Bahati, des adhésions de plus qui confirment la bonne santé de la première force politique de l'Union sacrée de la Nation. Regardez. Créé il y a seulement quelques années, le regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA a le vent en poupe. En témoignent des adhésions massives que ce regroupement politique, cher à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, continue à enregistrer en son sein. Les dernières en date sont respectivement celles de l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement ACDD, parti de l'ancien gouverneur du Kassai oriental, Alphonse Ngoï Kassongi, du Parti socialiste pour l'intégrité et la justice, PCJ du professeur Grégoire Bakandéja et de la VNC, Vision pour un nouveau Congo, du docteur Henri Kietosuka. Cet événement s'est déroulé le mercredi 21 juin au siège national de l'AFDC en présence du deuxième vice-président de l'AFDCA, le professeur Placide Mutabunga et autres responsables du regroupement politique, cher à Modeste Bahati. Après avoir déposé en bonne et due forme leurs statuts et documents qui attestent de leur personnalité juridique, ces nouveaux adhérents ont reçu les insignes du regroupement politique AFDCA, drapeaux et écharpes en présence de plusieurs cadres et militants de l'AFDC et des partis alliés. Notre adhésion est motivée par plusieurs éléments. Donc, d'abord, nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs de solidarité, de justice, de convivialité. Ce sont ces valeurs-là qui ont permis à ce que nous puissions nous rapprocher. Mais il vaut mieux aller ensemble pour pouvoir contribuer au changement des mentalités dans notre pays et au développement intégral du pays. Ces adhésions massives enregistrées par l'AFDCA sont la preuve du dynamisme des dirigeants de cette plateforme qui ne cesse de conforter sa place en tant que première force politique au sein de l'Union sacrée. Encore des nouveaux animateurs installés à Kachobwe dans le territoire de Kasinga pour le compte du parti ARDF, Alliance pour le renouveau du futur, parti cher au gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Regardez. Le village Kachobwe, situé à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, a constitué la deuxième étape du périple du président fédéral de l'ARDF au Katanga, l'honorable David Daouté, qui est en itinérance dans les territoires de Kasenga afin d'asseoir la vision de ce parti dans ces coins de la province. À son arrivée par la rivière Lwapula, en compagnie des membres de sa fédération et du fédéral de Kasenga, Samuel Kilolo Yumba, un accueil enthousiaste a été réservé au cadre de ce parti politique par leurs militants venus en masse pour saluer leur présence à Kachobwe. Du port jusqu'au lieu du meeting, la population de Kachobwe a fait une démonstration de force prouvant le leadership incontesté de Samuel Kilolo Yumba et de sa machine à mobilisation dans cette partie du Haut-Katanga. Bien que jeune parti politique, l'Action pour la rupture et le développement affiche de grandes ambitions à hauteur de sa vision. Le parti se prépare jour et nuit pour rafler le plus grand nombre de sièges possibles aux législatives tant nationales que provinciales, a dit l'honorable David Daouté dans son adresse à la foule. Peu avant l'étape de Kachobwe, la forte délégation de la RDF au Katanga avait fait l'objet d'un accueil chaleureux au village Kabimbi. Le fils du terroir, Samuel Kilolo Yumba, avait présenté ses hôtes à la population tout en leur demandant d'adhérer massivement au parti. C'est dans la soirée que la délégation a pris son canot pour rentrer à Kasenga avec un sentiment d'avoir noblement accompli sa mission.
Et à Kinshasa, c'est la fin d'une aventure des mauvais goûts. Quelques éléments de la police habitués à enlever des paisibles citoyens et à l'extorsion des biens sont tombés dans le filet des services de sécurité. Suivez cet élément. Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin d'Ikon, lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur deux policiers au terre d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal, le capitaine Ngoï Kibwe, et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major général de FARDC. Les deux criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marche. IST, communément appelé Ketch, les récits des faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait dans son bassin. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au Madame Bazo Bengalo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La bandit qu'on continue route normale. La deuxième personne est descendue dans la voiture, aïe yo, bazo bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch na bango. C'est comme ça que j'ai crié, ndé bandi ko bendanga. C'était sur l'avenue Ongundeza à Makadam, par force pour bakotanga la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka, bagarde na yende babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal, naebi bango te et to pesa to kanga. Toza na document tozo luke. Boza na document kombo ya nani na kati. Ba komi ko menacer ba tuana ba tsika ba ko tsanga na voiture na bona kende kaka. Ba me manga na ipe crime. Comme mes ans na quartier na nga, j'habite quelque part. Nde ba to quartier ba ye. Naebi si bango bo benga ba soldat ya barrière ya kan kokolo. C'est comme ça ba onde ba ye au secours. Ba kangi bango to se retrouver à. En tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC. Vraiment sécurité malam. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP 9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par les chefs d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2020. La valorisation des sites touristiques en République démocratique du Congo en cette période où le pays se prépare au 9e jeu de la francophonie s'avère nécessaire pour le projet Congo River en collaboration avec la Bralima. Au cours d'une conférence de presse animée par la coordination du projet Congo River, les chevaliers de la plume ont été informés de l'avancement des travaux. Anastasie Dumbu. Pour la troisième année consécutive, Bralima est partenaire du festival Congo River, une initiative de l'ONG Congo River dont la mission est de sensibiliser l'opinion publique et les différents acteurs sociaux sur les enjeux multiples liés à la valorisation du potentiel du fleuve Congo. Le soutien de Bralima s'inscrit en droite ligne de sa stratégie de développement durable « Brasser un monde meilleur » dont l'objectif est d'avoir l'impact le plus positif possible sur les hommes et la planète. La protection des ressources hydriques, la promotion de l'environnement, c'est notre cheval de bataille. C'est les mêmes objectifs que le festival Congo River a et donc nous évoluons dans la même direction. Dans le cadre de cette stratégie de développement durable, Bab Bralima a pris l'engagement de préserver les ressources hydriques. C'est ainsi que chacune de ces quatre brasseries à travers le pays dispose en son sein d'une usine de traitement des eaux usées. À travers ces installations, Bralima retraite toutes ces eaux usées avant de les déverser dans la nature pour protéger l'environnement. Cette conférence a été animée par M. Yannick Madou Mbuyamba, coordonnée par Vincent Kunda, initiateur et chef du projet. Congo River, on poursuit juste les objectifs de la sensibilisation à la protection du fleuve Congo par un événement culturel, touristique. Nous allons arriver à faire conscientiser les Congolais et aussi le monde à l'importance de ce fleuve et de son bassin versant. La conférence s'est déroulée au 8e niveau du meuble Forescom dans la commune de la Gombe, en présence de député national Ndombasi, ministre de la communication et médias, du tourisme et de l'environnement, tous représentés et d'autres partenaires à la personne des Graciens, communication, manager et la Bralima.
L'ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, s'étend. Kinshasa a désormais sa direction urbaine. La cérémonie inaugurale est intervenue mercredi dernier. Marthe Mangaza Kalala. Ouverture ce mercredi 28 juin 2023 de la direction urbaine Kinshasa-Ouest de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. Cette agence va desservir les communes d'Ngaliema, Kitambo, Gombe, Selembao, Kinshasa, Lingwala, Mongafula et les environs. Ces entrepreneurs vont bénéficier notamment de l'information sur l'entrepreneuriat, la formation, l'assistance, conseil, l'accompagnement à la création et à la croissance de leurs entreprises. Il faut commencer par le premier pas avec la Dite Ouest, question de rapprocher davantage les potentiels entrepreneurs, les porteurs de projets de nos services. Et ils sont les bienvenus parce que finalement, au lieu de prendre son véhicule jusqu'à la Gombe, ils ont cette fois-là une direction qui est à côté de leur maison pour offrir les services d'accompagnement à la création d'entreprises. Les patrons de l'entrepreneuriat congolais, Désiré Nzingabirianzé, a profité de l'occasion pour saluer la vision du chef de l'État, celle de faire des millionnaires congolais. Un pas de plus que nous venons de mettre dans cette voie de la création des millionnaires congolais. Comme la direction a pour mission d'informer et de former, que les gens viennent vers la direction pour avoir les informations, pour être accompagnés à créer les entreprises. L'entreprise peut se créer même sans argent. C'est l'intelligence et que l'ANADEC est là pour ça. L'ANADEC a élaboré son plan stratégique de développement de l'entrepreneuriat 2022-2023 avec, entre autres comme objectif majeur, atteindre 2 millions d'entreprises répertoriées. En nouvelle, dresser les portraits des femmes légendes, c'est l'objectif que s'est donné la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers son projet Congo Féminin. Lancé il y a 3 ans déjà, Congo Féminin vise à honorer les femmes congolaises qui ont impacté l'histoire du géant Congo ces 60 dernières années dans différents domaines, raconter leur parcours, leurs difficultés et leur visibilité. Naïcha Kelamouila nous revient dans nos éditions de demain. L'apport du numérique et de la nouvelle technologie dans le développement d'une communauté, mais beaucoup plus dans leur usage par les femmes, un sujet à l'échelle africaine au cœur de la conférence organisée par Cri des Femmes. L'objectif est de participer à la réduction de la fracture numérique. Cédric Enina. Quid de la technologie numérique dans le monde moderne? Thème à plusieurs facettes exploitées au cours de cette conférence initiée par Cri des Femmes en partenariat avec Western Community College de Vancouver au Canada. Éclaté en 3 panels dont l'un s'est penché sur l'impact du numérique, l'autre sur la nécessité d'une formation en technologie numérique pour la jeunesse et les numériques organisés par Western Community College, cette conférence a eu le mérite de mettre à jour les connaissances des participants. Sans la technologie, l'on n'est nulle part, a reconnu la présidente des Cris des Femmes, Angèle Kabou-Konsumbu. Sans la technologie, dans le monde moderne, vous êtes nulle part. Vous êtes dépaysé, vous êtes déconnecté d'ailleurs. Voilà pourquoi, à la manière où vont les choses, en tout cas, on ne peut pas s'en passer. La thématique abordée participe au progrès de la société. Le numérique est la clé de développement. Il faudrait que le ministère du numérique puisse appuyer vraiment le pédale, influencer le ministère de l'enseignement, que ce soit au niveau primaire, secondaire, et qu'on crée vraiment une autre génération. On n'a pas besoin d'avoir peur de numérique, mais on doit l'embrasser. Conscient de la fracture numérique, Cri des Femmes s'appuie sur la gente féminine pour combler les gaps dans l'optique de ne pas rester en marge de l'évolution à l'échelle planétaire. Héritier d'Awili Boma a officiellement pris ses fonctions comme chef du groupement de Bomba Kabo en présence du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangouma Temangon de Mosai, qui a également inauguré le pont Bomanga à Gemena 3. Robert Ndaïtchissé. Le nouveau chef coutumier du groupement Bomba Kabo, secteur de Bangakungu, dans les territoires de Gemena, héritier d'Awili Boma, a été officiellement investi le 25 juin 2023
en présence du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sango Matemongo de Mosai, et du ministre provincial de la Justice. Une investiture qui intervient après la désignation des membres de la famille régnante, du pouvoir coutumier et gardien des coutumes. Article 1er est reconnu en qualité de chef de groupement Bombakabo, secteur de Bangakungu, dans le territoire de Guémena, M. Daoui Mboma, héritier. D'autres chefs coutumiers de la province du Sud-Ubangi ont pris part à cette intronisation. Cérémonie riche en couleurs, héritier Daouili Boma a reçu les insignes du pouvoir traditionnel devant des milliers de la population. Le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sango Matemongo de Mosai, a exhorté les nouveaux chefs à être un rassembleur à travers un encadrement efficace de la population de son groupement qui a énormément besoin de l'unité pour son développement. Arborant sa casquette de pasteur, Sango Matemongo de Mosai a fait une mise en garde sévère à tous les perturbateurs qui tenteraient de semer la division dans le fonctionnement de son groupement. Pendant son séjour dans le sud de Bangui, le numéro 3 du Sénat a inauguré le pont Mobongo à Guémena 3 dans la commune de Mongola. Le représentant du gouverneur de province, du maire de la ville de Guémena et de l'ECC ont tous loué l'initiative qui vient désenclaver cette partie du territoire. Honorable Sango Matemongo de Mosai est revenu sur l'historique de ce pont avant d'encourager la population à faire bon usage. Au nom de son Excellence le génie du développement, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous bénissons immensément ce pont aux usagers des routes. Nous demandons à tout un chacun de protéger ce pont et de le prendre comme notre propre patrimoine. C'est par la réception du colonel Foulounzala, élevé au grade du général, que le deuxième vice-président du Sénat a bouclé son séjour dans le sud de Bangui et invité la population à s'approprier le processus électoral et donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre prochain. Les 2500 nouveaux magistrats récemment nommés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont débuter la formation le 15 juillet 2023. La nouvelle a été officiellement annoncée mercredi dernier à l'issue de la réunion entre le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature et les différents partenaires techniques et financiers impliqués dans le projet. Richard Kalala. Nouvellement nommé par ordonnance présidentielle, après être passé par un test l'an dernier, ce nouveau lot de magistrats doit également passer par une formation de remise à niveau avant de rejoindre leur siège. Pour préparer cette formation qui débutera le 15 juillet prochain, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et ses partenaires techniques et financiers se sont rencontrés le mercredi 28 juin afin de préparer au mieux le contenu de cette formation, tant sur le plan technique que financier. De ce fait, 6 sites sont retenus pour abriter cette formation afin de permettre à chacun de magistrats de se choisir un site selon sa proximité. On va décentraliser la formation. Ça n'aura pas lieu seulement à Kinshasa. Ça aura lieu à Lubumbashi, à Kisangani, à Mbandaka, à Mbujimai. C'est aussi pour rassurer tous ceux qui pensaient qu'après la nomination, donc c'est encore un temps mort qui va arriver. Nous sommes là pour que la formation commence et va commencer, comme je l'ai dit, tantôt vers le 15. Le menu de cette formation comprend tous les aspects juridiques. C'est justement pour permettre aux nouveaux magistrats de répondre efficacement à leurs exigences professionnelles. Alors, cette mission donnée à l'Institut national de formation judiciaire devra être d'une importance telle que devra permettre aux nouveaux collègues qui viennent dans le corps de s'imprégner des fondamentaux de leur profession, de leur fonction d'officier du ministère public. Le 2500 magistrats qui vont être formés pendant 3 mois constituent le premier groupe des 5000 magistrats qui ont passé le test. Les autres 2500 restants seront alignés en 2024. Un invité dans ce journal, il s'agit de l'archevêque du christianisme authentique, M. Elie Samano Kingsam. Bonsoir, M. l'archevêque. Bonsoir, madame. Vous êtes habillé aux couleurs du drapeau national. Quel bon vent vous amène à la RTNC à la veille du 30 juin? Oui, jour pour jour, ça fera 63 ans depuis que notre pays a eu accès à son indépendance. Et demain, vendredi, nous organisons à cet effet une grande croisade au stade Vélodrome de 14h à 20h. C'est pourquoi je profite de votre chaîne pour inviter tous les peuples congolais d'ici et d'ailleurs à prendre part à ce grand rendez-vous sous le haut patronage du Saint-Esprit. Oui, ça va faire plusieurs cultes demain. Oui. Et qui est censé être là? Qui est censé prendre part à ce culte? Nous avons dit, c'est sous le thème RDC, ainsi dit l'Éternel des armées. Pourquoi ce thème?
Ce thème, justement, parce que le Saint-Esprit, après une année, 3 mois de retraite au Canada, nous a inspirés, nous a donné autant d'orientations concernant la vie de notre pays. C'est pourquoi nous invitons à cet effet tout le monde, tous les peuples congolais, congolaises et congolais, bien sûr, à prendre part à ces rendez-vous au stade Vélodrome de Kitambo, demain, de 14h à 20h. Merci beaucoup pour ce message. J'espère que les millions de téléspectateurs de la RTNC ont suivi votre message. Je rappelle que vous êtes l'archevêque du christianisme authentique, M. Elie Samano Kingsam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Gaëtan Magalano. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et excellente fête d'indépendance à tous.